Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble une petite astuce pour faire des photos, pour faire des vidéos. Cette astuce va même fonctionner avec certains appareils photo. Vous allez voir que avec ce petit objet, vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez être à l'aise, transformer par exemple vos smartphones en cadre photo. Cela va être possible avec ce petit objet et ce petit objet est le tripode. Le tripode, ici, comme vous l'avez dans son emballage, un petit pied que je vais vous déballer, un petit trépied qui va vous rendre des services énormes, comme vous qui voudrez faire des photos, comme vous qui voudrez éventuellement vous servir de vos smartphones comme cadre de photo. Eh bien, ce trépied est pour vous, le tripode, un petit trépied qui va vous permettre de positionner votre smartphone. Et quand je parle de smartphone, je vous dis que c'est tous les smartphones, du petit au plus grand. Vous allez pouvoir le faire tenir et vous allez voir, c'est très intelligent avec ce petit trépied, intéressant peut-être pour certains postes de travail. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le déballage. Donc on a le trépied ici qui est comme d'habitude sur le bureau. Il est mis dans une enveloppe entièrement plastifiée. Alors je vous mettrai les coordonnées de la page web. On est sur un objet très peu cher, en dessous de 5 €, et vous allez voir donc quelque chose de très pratique. Alors on prend tout de suite le petit canif qui va ouvrir. Alors on va l'ouvrir, on peut lever donc le plastique et voilà comment se passe notre petit objet. Donc il est en deux parties. On a deux parties ici, comme je vous montre. Alors, comme vous pouvez voir, tripode. On a donc trois pieds, d'accord, qui vont ici pouvoir être en plus tordus dans tous les sens. Un truc vraiment sympa. Ces pieds qui peuvent être tordus à volonté, on va pouvoir s'enrouler autour d'un arbre, s'enrouler autour, par exemple, d'un pied quelconque, d'une surface arrondie. On va pouvoir tout faire avec ce pied. Une fois votre tripode déballé, donc ce qu'on va faire, c'est que il est en deux parties. Comme vous voyez, le côté des pieds au-dessus, on a une vis avec une petite molette. Et simplement, la partie où on va mettre notre smartphone, on a ici un trou que l'on va visser sur la partie haute du pied. Donc ici, on le visse. Une fois positionné, on le visse sur le pied. Une fois bien serré, voilà à quoi ressemble le tripode. Donc les pieds sont complètement amovibles. On a trois pieds donc qui sont complètement... On peut les écarter et on peut les entortiller autour de n'importe quel tuyau, barreau de chaise, sur n'importe un arbre par exemple, et positionner correctement notre smartphone. Au niveau des pieds, c'est des pieds caoutchoutés, une adhérence parfaite lorsqu'il est posé au niveau des surfaces, impossible qu'il glisse, puisque ici, comme je vous l'ai mis, on est vraiment sur du très stable. Les smartphones donc vont pouvoir se glisser à l'intérieur. Je vous montre. Voilà, ce que vous entendez, c'est que on peut élargir suivant la largeur de votre smartphone. Et ici on a un repose smartphone pour une stabilisation complète de notre appareil. Voilà, donc je vais vous montrer différentes photos maintenant avec différents smartphones. Et regardez ici, je vous mets à l'envers le trépied. On va pouvoir travailler par exemple le smartphone en surélévation devant nous et on va pouvoir tourner notre smartphone dans tous les sens pour qu'il ait la position voulue par rapport aux photos à prendre, par rapport par exemple pour le mettre en cadre photo, etc. Et donc ici vous pouvez voir donc enroulé autour d'un arbre, le smartphone tient, vous pouvez écouter votre musique tranquille et faire du bricolage. Comme vous pouvez voir ici, on a donc le smartphone enroulé autour
d'un poteau et on va pouvoir prendre des photos, faire un film sans toucher donc à notre smartphone, tranquille. Ici vous pouvez voir, on est bien enroulé, le smartphone tient bien et on pourrait éventuellement tout filmer comme on le voudrait. Ici vous pouvez voir, on peut servir donc avec notre smartphone du tripode comme trépied, lancer par exemple un minuteur et partir dans le groupe prendre la photo. Et grâce à ce trépied, eh bien vous allez être tranquille, vous allez prendre des photos de groupe sans être derrière votre smartphone. Ça va être vraiment génial. Alors le tripode peut aussi vous servir de trépied. Merci de regarder cette vidéo. Pour regarder par exemple la télé, pour suivre vos chaînes YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas à venir vous abonner sur la mienne. Beaucoup de vidéos, plus de 200 vidéos. Qui traite de tout sujet, démo, tuto, présentation de matériel. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fera très plaisir de vous accueillir. On est une grande communauté et vraiment, je vous accueille avec plaisir sur ma chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo sur le tripode vous aura plu. Je vous refais un dernier petit plan. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à ma chaîne. Et moi, donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup de votre visite et à vous dire à bientôt pour la prochaine. Salut !